Здравствуйте, Сергей Павликович. Это Писарев вас беспокоит, судно «Тара». Да, он же в Париже сидит. Donc, Сергей, peux-tu m'expliquer la situation de Тара? Situation is very good. La situation est très bonne, comme d'habitude, c'est la première chose. Ensuite, nous ne pouvons pas suivre la caravane parce qu'il se déplace difficilement dans le détroit de Mattison. C'est au sud, un peu plus à l'ouest. Donc nous ne pouvons pas les accompagner. Le message de Murmansk est que le message de Mourmansk, c'est il vaut mieux venir près de la côte et regarder peut-être s'il existe un chemin qui serait ouvert. Le principal message actuellement est que malheureusement, il n'y a pas de vent dominant dans aucune direction. Le vent ne va donc pas concentrer la glace dans un coin du détroit ou dans un autre. Cela veut dire que la glace est partout, plus ou moins répartie. Et pour Tara, c'est difficile de passer pour le moment. Si la glace était comme ici, on pourrait passer. Mais l'information est que dans le détroit de Vilkinski, les conditions sont toujours difficiles. On va attendre. Et qu'ont-ils dit par rapport à la solution de passer par le nord? L'information de Mourmansk, c'est que bien sûr, parfois ils utilisent ce chemin, mais actuellement ils ne croient pas que ce soit la bonne décision. Ils disent que le vent va changer. Maintenant c'est ouvert, mais trois jours plus tard ce sera fermé. Ils ne nous recommandent vraiment pas d'aller par là-bas. Parce qu'ils pensent que ça va se refermer très très bientôt. Donc nous devons attendre. Nous devons essayer par le sud, essayer de passer seul. Le brise-glace ne sera pas trop loin, mais actuellement la caravane avec le brise-glace sont au milieu du détroit. Et ils avancent très très lentement. C'est l'information. Donc c'est tout. C'est tout. It looks like that we will have to go simply down and look where is it will be possibility and look on all available map, yeah. And try to go something like this.